le jour où Matteo Messi a choqué Lionel Messi. Matteo Messi. Ce garçon est incontournable. Ce qu'il fait à l'Inter Miami Academy, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. En le regardant en action, on ne peut s'empêcher d'admettre que cette petite bête a tout ce qu'il faut pour conquérir tous les sommets du football imaginable. Aujourd'hui, la chaîne Un Autre Football vous explique pourquoi le fils cadet de Messi est déjà admiré dans le monde entier et pourquoi on lui prédit la gloire de son père. Les gars, s'il vous plaît, laissez un like à cette vidéo. Si vous ne le faites pas, Matteo sera offensé. Ne faites pas ça. Aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez toujours sans abonnement. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Maintenant que c'est fait, commençons. Matteo Messi est né avec le talent que Dieu lui a donné. Donné par le dieu du football, par son père pour être exact. La génétique est une chose puissante, surtout quand votre père est le GOAT lui-même. Le fils cadet de Messi a un énorme talent de footballeur et de nombreux experts du football pensent que Matteo a les meilleures chances de devenir le meilleur footballeur des fils de Léo en raison de son tempérament fougueux et de sa forte détermination à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Eh bien, Matteo commence à être à la hauteur de ce statut. Lors d'une de ses récentes apparitions, il a marqué un hat-trick. Mamma mia! Il suffit de regarder le type de but qu'il a réussi à marquer. Pour marquer le premier, il a fait quelques passes avec son partenaire et a frappé le coin opposé d'un tir puissant à mi-distance. Quel fracas! La façon dont il s'est brillamment retourné dans ce clip et la classe avec laquelle il a battu le gardien de but, ça, c'est un maître. On peut en dire autant de sa célébration. Ce type veut vraiment devenir une légende du football. Le troisième but a été marqué après une habile manipulation du ballon et une frappe qui a trompé le gardien. Matteo semble être un attaquant né et de nombreux clubs vont souffrir avec lui dans un avenir proche. Outre son impressionnant coup du chapeau, le numéro 10 de l'Inter Miami s'est également distingué par ses dribbles. Ici, il est passé tout près d'une nouvelle frappe précise. Et là, il a facilement laissé l'adversaire pantois. Regardez cette course en solitaire, comme le grand Léo Messi à son meilleur. Malheureusement, cela ne s'est pas terminé par un but. Ce jour-là, Matteo Messi a choqué jusqu'à son père, qui assiste constamment aux matchs et aux entraînements de ses enfants. Rappelons que Matteo n'en était pas à ses premiers buts avec l'équipe U9 de l'Inter Miami. Il a d'abord marqué contre le Barcelona Miami, puis ce but, et enfin un coup de pied de bicyclette, qui a même fait l'objet d'une vidéo séparée. Un grand monstre du football, n'est-ce pas? Pour vous prouver, ainsi qu'à l'ensemble du monde du football, l'énorme potentiel de Matteo Messi, nous avons besoin de plus de preuves, bien sûr. Heureusement, nous les avons trouvées pour vous. Les voici, c'est parti. Regardez comment il a surpassé l'adversaire. Puis un tour similaire. Et pourquoi pas celui-ci? Le niveau qu'il a montré lorsqu'il a écrasé une autre âme malheureuse. Apprivoiser le ballon et développer une attaque n'est pas un problème pour un maître comme Matteo. Dans le clip suivant, vous pouvez voir comment le fils de Messi choisit ses positions et procède à une interception. Encore une fois, il est parfait dans ce qu'il fait. Tout comme dans ce duel. Il n'a pas peur de tirer de loin. Les superbes dribbles de Matteo sont également mis en évidence dans les séquences suivantes de la séance d'entraînement de l'Inter, ainsi que dans ces séquences où Messi Junior dépasse un adversaire à toute vitesse. Par exemple, cette course avec dribble a abouti à un but. Matteo possède les mêmes qualités de leader de son aîné. Cette vidéo ne ment pas. Nous attendons avec impatience l'avenir de Matteo Messi, le capitaine de l'Argentine et de Barcelone, ou de l'Inter Miami au moins. D'ailleurs, Matteo est clairement le joueur préféré du manager des U9 de l'Inter Miami. Il suffit de voir avec quelle gentillesse il le salue après un match d'entraînement. D'ailleurs,
Une vidéo de Matteo jonglant avec son jeune coéquipier de l'Inter Miami U9 est récemment devenue virale en ligne. Comme vous pouvez le constater, Messi Junior est un joueur très habile et deviendra un footballeur de plus en plus puissant d'année en année. Certains utilisateurs sont tellement ravis de Matteo qu'ils lui prédisent une participation à la Coupe du Monde 2038. Pourquoi pas? C'est un scénario très, très probable. Nous l'espérons tous sincèrement. Alors, likons cette vidéo pour que le plus grand nombre d'amateurs de football puissent découvrir le phénomène Matteo Messi. La chaîne Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir.